comment installer tout seul une bâche magnétique Pearl toute saison? Eh bien c'est super facile, et hop, vous voyez, c'est déjà fait. Bon allez, je vais quand même vous montrer la vraie vidéo non truquée. La bâche est rangée dans son petit sac que vous pouvez glisser facilement dans le vide-poche de votre voiture. Vous la déballez et vous la placez d'abord grossièrement sur le pare-brise. Vous ne pouvez pas trop vous tromper de sens, il y a écrit Pearl dessus. Vous couvrez ensuite le pare-brise d'un côté, et puis de l'autre, utilisez les aimants intégrés à la bâche pour tout bien positionner. Je pose cette bâche sur un grand break, et la bâche est assez grande pour protéger l'espace où sont fixés les essuie-glaces. Vous savez, là où on retrouve généralement plein de feuilles mortes. Les aimants permettent de tout bien maintenir et empêcher que le vent se glisse trop par le dessous. Mais pour vraiment retenir la bâche lorsqu'il y a beaucoup de vent, il y a une partie de tissu lesté qu'il faut coincer dans les portières, d'un côté et de l'autre côté. Et voilà, mon pare-brise est bien protégé du givre, des feuilles mortes, des fientes d'oiseaux et du soleil. À très bientôt !